Tous, c'était. Bah ouais, normal, c'est mon émission. Bon, il est pas stressé, hein, regarde. Il est tout détendu. Non, je suis pas stressé, c'est juste que je suis pas sûr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Subbase Station, une émission spéciale musique électro, dubstep, hard music, trap et plein d'autres sous-genres. Et tout ce qui s'en suit. Ici Théo, je suis accompagné de mon coéquipier Cyril. Salut Cyril. Salut Théo. Un bon programme qui nous attend, alors préparez vos sonos et vos oreilles, c'est parti pour quasiment une heure de headbanging. Mais le headbanging, c'est quoi, Cyril, d'abord ? Alors, le headbanging, c'est simplement le fait de bouger frénétiquement sa tête dans tous les sens sur un rythme de musique, et ici en particulier sur des sons assez violents. Vous êtes prévenus, alors que vous soyez amateur ou un peu plus aguerri en ces genres, ou simplement curieux, vous êtes donc un public averti, parce qu'un homme averti en vaut deux. Mais en tout cas, restez à l'écoute, ça va péter, vous allez choper des torticolis à force de headbanger, vous êtes prévenus. Et au sommaire de cette émission ? Une définition ainsi que suggestions musicales de différents types de musique classée comme électronique. Une sélection de matériel audio pour bien apprécier le son. Une définition de teuf, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, on en parle. Notre playlist électronique du moment et plein d'autres endroits où vous pouvez trouver des perles musicales. Un bon programme qui s'annonce. Nous allons vous faire découvrir différents styles de musique dite électronique, mais on n'est pas là pour de l'EDM, mais pour un truc qui tabasse. Alors pour démarrer, on va commencer par parler de la trap music. It's a trap! Vous êtes très nombreux parmi les plus de 30 ans à ignorer ce qu'est la trap, ce phénomène qui sévit depuis pourtant plus d'une décennie. Aujourd'hui, on parle de trap, ok, mais c'est quoi la trap ? La trap, c'est une nouvelle esthétique de la musique électronique. Et d'où ça vient ? Ça vient du hip-hop et plus précisément du sud-américain, Géorgie et Floride. Ça commence au début des années 2000 par du gros rap bling-bling qui tâche avec T.I., Young Jeezy ou encore Gucci Mane. En argot, le trap c'est un endroit louche où il se passe des trucs vraiment pas légaux. Aujourd'hui, les rois s'appellent Rick Ross et 2 Chainz, pardon, et aussi Chief Keef, à peine 18 ans, dont la mixtape a fait flamber les enchères en 2012, notamment avec les tubes I Don't Like, évidemment remixé par Kenny, et Love Sousa. Musicalement, c'est un tempo assez lent, avec des basses ronflantes qui font vibrer les fenêtres et pas mal de caisses claires. Certains sont sortis de ce courant hip-hop pour en rester sur les fondements instrumentaux électroniques de la trap music. Alors, trap, EDM, trap-hop, la diversité du genre s'accompagne d'une certaine confusion sur la nomenclature. Certains parlent d'EDM trap pour le versant électro, d'autres de trap-hop pour le mariage de ces deux mondes, mais de plus en plus, la mode est simplement réduite à l'éclosion du trap. Les morceaux sont en général instrumentaux avec des parties vocales minimales et samplées. Le trap conserve souvent le drop du dubstep, ce point culminant où la basse arrive après une longue progression et détruit les tympans, dans un orgasme sonique. Quelques petits exemples, les producteurs tels que Hudson, Mohawk et Lunis sont très connus. Le producteur le plus connu du grand public indirectement s'appelle Bower avec son Harlem Shake qui est devenu un phénomène mondial. Just Blaze, venu du hip-hop old school, n'a pas mis longtemps avant d'embaucher Bower et de sampler Jay-Z. Il a relancé sa carrière avec le titre Ailleurs, partagé sur tous les blogs fin janvier. Alors, c'est une évolution également tirée par les jeunes, puisque les DJ de la classe Biberon, si je puis les appeler ainsi, sont les plus actifs dans l'expérimentation. À seulement 17 ans, Uchi commence à buzzer et ne va pas tarder à exploser avec un son déstructuré presque tribal. Je vous invite à aller écouter ça sur Internet. Et parlant de trap, là, moi, personnellement, je suis obligé de vous faire écouter mon coup de cœur du moment, le dernier tube de Yellowclaw en collab avec le fulgurant DJ Snake et la somptueusement talentueuse Elephant. C'est vrai,
avec l'évolution. Ça n'a plus rien à voir avec le trap du début. Yellowclaw, Elephant et DJ Snake en collab, ça donne Good Day. C'est dans ta sub-base station sur Radio MNE 107.5. Et comme dirait Sir Théo, ne change pas de station. You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but changed their mind and called their mommy. You are not me, I am dirty. You make me feel like all those kids that were supposed to stay the night but changed their mind and called their mommy. You are not me. Remember that day we met for coffee and you were late. Yeah, we shared about you. La trap music et ses allures hip-hop entraînant, ça me fera toujours kiffer, je sais pas vous. Mais pour moi, c'est toujours encore trop léger. C'est pas assez entraînant. C'est pas mal, mais moi, ce que je propose plutôt, c'est d'y aller un peu plus vite maintenant en entamant la dubstep. La dubstep est un genre de musique électronique originaire pour sa plus grande partie du sud de Londres. Elle émerge dans les années 1990 et se développe grâce à de nombreux styles musicaux connexes tels que la two-step garage, le broken beat, la drum and bass, la jungle, le dub et le reggae. La musique se caractérise par un rythme syncopé et une ligne de percussion accompagnée de basses. Ces musiques empruntent des thèmes sombres à une construction musicale plus expérimentale et moins focalisée sur les voix.
accompagné d'éléments sonores en provenance du breakbeat et du drum and bass et de la two-step, des kick snares assez vénères et parfois même des lives de batterie pour les kicks et les snares. De la bonne sub-bass qui tabasse et qui vous fait vibrer. Aux alentours de 140 BPM, elle est souvent confondue avec la bro-step, qui est une évolution, elle, de la dubstep. Et pour les puristes, il ne faut surtout pas confondre les deux. Par exemple, la dubstep, c'est ça. Alors que la bro-step, par exemple, c'est ça. It's Chode Gang, motherfucker. En fait, la brostep actuelle, c'est ce qu'on considère comme la dubstep au final. La dubstep classique, c'est bien plus calme, des basses wow 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 comme on pourrait dire, alors que la brostep, c'est bien vénère et bien plus métallique. En gros, ça t'arrache la gueule. Les gros DJ dans ce genre sont évidemment mon bébé, mon amour, ma vie, l'amour de ma vie, malgré tout ce que les mauvaises langues pourront dire sur lui. La musique électronique n'en serait sûrement pas là où elle est actuellement. Je parle bien sûr de Skrillex. Mais t'as aussi plein d'autres types méga vénères dedans, tels que Getter, Must Die, Eptic, Barelia Live, Trollface, Borgor, Virtual Rio et bien d'autres. La brostep est influencée par la dubstep, bien vu Sherlock, et même par d'autres genres, comme je disais avant, la drum and bass ou bien encore le heavy metal. Et oui, le heavy metal est la banger house, si bien inspiré que certains artistes utilisent même des samples de voix du metal, tels que Trollface avec un sample de Suicide Silence. En bref, vous l'avez compris, la dubstep, c'est mon petit péché mignon. Alors moi, j'ai envie de vous faire découvrir pas mal d'artistes méconnus du public, tels que Spag Eddy, Chun Gang, E-Hide, Olivers et bien d'autres. Il en existe plein, des chaînes YouTube regroupant des petits noms qui en voient pas mal, mais qui ne seront pas assez connus. On va en parler juste après. Et pour tout de suite, je vous propose d'écouter un petit morceau de ma sélection. Ça s'appelle Kaizo et son titre Wake Up. Alors préparez les Doliprane, ça va secouer. I'm not afraid to
Vas-y. Ah là là, Chaud Gang, Spaghetti, Casio, toute cette brostep, c'était bien sympa. Je sais pas vous, mais moi ça m'a donné envie de me plonger dans quelque chose d'un peu plus rapide, qui fait bouger, qui va vous échauffer les conduits auditifs. Un truc du genre drum and bass par exemple. Alors, le drum and bass, c'est un style de musique électronique lié à l'origine au reggae, au breakbeat et au phénomène des rave parties dans l'Angleterre des années 80. Entre le jungle et le drum and bass, quelle différence ? Il n'y a pas de différence musicale franche. Par contre, on s'accorde à dire que la jungle concerne la période 80-90 et on parle de drum and bass à partir de 90 avec l'évolution des différentes branches de ce mouvement. On distingue plusieurs grandes sortes de drum and bass. La tech step d'abord, apparue dans les années 95-96, basée sur des mélodies issues de la techno. C'est une musique assez sombre et industrielle, remplie de références au cinéma de science-fiction, au manga. Et certains labels significatifs sont Emotif ou No U-Turn, si vous voulez vous documenter là-dessus. Le jump up, quant à lui, est issu des influences de la funk et du hip-hop. Certains labels significatifs, comme True Players et Urban Takeover, produisent encore certains sons de ce style qui sont super intéressants. Le hard step, quant à lui, est un style beaucoup plus radicalisé, caractérisé par des rythmes très déstructurés et une avalanche de BPM. Il est très prisé en club comme en free. On distingue aussi assez souvent la drum and bass anglo-saxonne, plus fluide, souvent associée à du chant, et la drum and bass française, plus brutale et plus rapide. La drum and bass, parfois stylisée drum and bass ou abrégée DNB, est un genre de musique électronique apparu au Royaume-Uni, plus précisément dans la région de Bristol. Il est apparu en remplacement de l'amen break par le two-step, marquant la fin de l'ère jungle. Par ailleurs, elle emprunte beaucoup de sonorités au jazz, au ragga, au funk, à la soul, au techno, au hip-hop, voire à la musique classique, notamment par l'utilisation de beaucoup de samples. Cette variété de couleurs musicales permet d'exprimer une palette d'émotions très variée, alors que le tempo se situe généralement entre 160 et 190 BPM. La constance du tempo est un élément clé de la pratique musicale du DJ. Voici quelques artistes et labels influents, bien que peu connus en 2015. NDC, fondateur du studio de musique Ram Records. Friction, fondateur du studio Shotgun LTD. London Electricity, fondateur de Hospital, Noisia, Vision et Invisible. Goldie, fondateur de Metalheads. Et pour les plus connus, on retrouve Pendulum, The Prodigy, Sigma et Netsky. Et puisqu'on parle de Netsky, autant écouter le brillant remix d'Everyday, un morceau de Rusko à la base, un morceau dubstep remanié en drum and bass. Régalez-vous.
Ah, la drum and bass, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, mais moi, j'échangerai un peu d'univers pour aller dans tout ce qui est son de teuf, trance et psy-trance. Que me direz-vous ? Vas-y Cyril, dis-nous tout. On part de la rave anglaise des années 80 pour aller plutôt vers les teufs, effectivement, comme tu as dit. La trance est un genre de musique électronique ayant émergé en Allemagne au début des années 90. Donc tu vois, on se barre bien de l'Angleterre. Il se caractérise par un tempo oscillant entre 125 et 160 BPM, donc battements par minute. Ah ouais, quand même. Des phrases mélodiques très répétitives et une forme musicale montante et descendante. La trance est un genre en elle-même, mais peut également inclure des éléments d'autres styles de musique électronique comme la techno, la house, la pop et la chill out. Ça donne naissance à tellement, tellement, tellement de sous-genres que je ne peux pas tous les aborder. Les artistes trans les plus célèbres sont Armin Van Buuren et Tiësto. Oui, ça peut être surprenant, mais soit dit en passant, ils ne font plus de trans depuis 2010. Malheureusement, ils étaient plutôt bons là-dedans. Il y a également Paul Van Dyk et Paul Oakenfold, tous élus numéro 1 au top 100 DJ Mag. Sans oublier Above and Beyond, Ally and Fila, Marcus Schulz, Gareth Emery ou encore Ferry Corsten. Pardon. La psytrance, quant à elle, c'est un sous-genre un peu plus psychédélique, d'où son nom, psytrance, qui vient à l'origine de la Goa d'Inde. À l'origine, une ancienne colonie portugaise, la région de Goa et notamment la ville d'Anruna deviennent le centre d'affluence des hippies du monde entier vers la fin des années 60. Et justement, donne naissance à ce style quelques trentaines d'années plus tard. Parmi les acteurs de la scène trans-Goa, produite à l'origine en Grande-Bretagne et dans une moindre mesure en Israël, on peut citer Goa Jill, Juno Reactor, Man With No Name, Rajaram and the Infinity Project, Astral Projection, c'est compliqué à dire, Total Eclipse et Hallucinogen. Et on va s'écouter un petit peu de Goa, puisque j'affectionne particulièrement ce style. Tristan et Rajaram nous envoient en voyage astral dans The Beautiful Garden.